Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Rise of the Tomb Raider. On va aller récupérer cette relique. Quoi ça? Message de survie. Il y a un document. Ah oui, il compte. Vas-y, ramasse. Bon, je vais peut-être indiquer juste la cache. Putain, mais. Genre, il n'y a pas de touche, genre espace pour mettre les pointeurs, ça me gonfle ça. Je suis sûr que dans le premier, ça y était. Presque sûr de me souvenir d'avoir utilisé cette touche pour faire ça. Voilà. Genre, juste là. Et une fresque sous le truc. Vraiment une fresque, ça. Ensuite, le truc de survie. Ah non, là, c'est la fresque. Ce que j'ai trouvé, c'est un truc de survie. Ah oui, en effet. Fallait que je me retourne la première fois que j'étais venu. Un peu flippant. Juste un peu. Ouh, je suis meilleur en russe. Plus tard dans le jeu, je pourrais dire à tous ces Russes d'aller se faire foutre dans leur langue. Ça va être bien. Allez, on va essayer de récupérer la relique. J'espère que le jeu va me laisser partir en arrière. Alors ça brûle encore. Ah bah oui, elle était là dans la relique. Comment? Ah non, elle était pas là dans la relique. What the fuck? D'où il y a encore des gens ici? Voilà. C'est bizarre qu'il reste encore des gens, je les avais pas tous massacrés, qu'est-ce qu'ils font là? Magnifique position, mec. T'es par où? T'es par là. Par là. Putain, mais. Attends, c'était le stress. Je pensais pas que j'avais le temps. Voilà. Un military patch for Trinity soldiers. Bon, bah, c'est bon. Voilà, comme ça on peut partir sur la grande map et on va explorer la grande map. Peut-être même terminer Baba Yaga, ça pourrait être cool.
Est-ce que j'ai level up? Non. Allez, je vais faire le camp. De toute façon, l'avantage, c'est que toutes les maps que j'ai trouvées m'indiquent du coup tout. Donc j'ai juste à regarder ma carte, puis hop, c'est bon, je trouve. Par contre, une mini-map, ça aurait pas été du luxe, franchement. Autant dans le 1, c'était vraiment des zones toutes simples. Des petites zones. Autant celui-là, c'est quand même déjà un peu plus grand. Donc bon. Coucou. Good. You can help us then. Ah bah, ça dépend, qu'est-ce que tu veux. What's the problem? I have warriors spread across this valley. Last night, two of my bravest were captured, and I have reason to believe they are still alive. There was a third with them who escaped, and he tells me they were taken beneath the train station. Saw them put into cages before he managed to escape. I have a dozen other warriors in the valley, and I have to stay here to coordinate their strikes. But you, I've seen what you can do. And I must ask you to help. Ok. Easy. Yes. Yes, of course. Thank you. Alors. Quoi, ils sont là? Ok, ben. Je peux pas activer ou désactiver le passage de l'air. Voilà, non, je suis plein. Mais je suis pas plein. Ça la récupère. Eh, tu crèves toujours? Cave? Is it safe? No, not yet, but I will. Mais pourquoi toi d'ailleurs, je peux pas voir ta grotte? Parce que l'autre là, je vois le truc, où est-ce que je dois aller? Mais la grotte? Et quoi ça là? Un monolithe. Je l'ai pas fait. Alors j'ai pas fait le monolithe. Ah bon. J'aurais pas cru. Ah mais oui, c'est du russe de niveau 3. C'est vrai. J'ai toujours le niveau 2 depuis. Pour longtemps. La plongeons dans une texture parce que je fais absolument aucun mouvement dans l'eau, littéralement, et l'eau ne bouge pas parce que je suis dedans. Oui, j'ai toujours une digérer. Vas-y, monte. Les barrières explosives, faut utiliser des. Les barrières explosives, oui. Barrières en métal, faut utiliser des explosifs. Génial, j'ai pas d'explosifs. En tout cas, je crois pas en avoir. Il faut que je trouve un truc à éclater. Bah, c'est pas là. Pas ici, malchanceux. Ah non, c'est là-bas. Hop. Oui. Je
Wow, tombe pas. En tout cas, pas tout de suite. Bon, d'accord. Le mieux, c'est que c'est vraiment une texture qui flotte, hein. Ça se voit en plus. J'ai pas vraiment besoin de charger mes tirs en fait maintenant que j'y pense. Le mec il est mort en croisant les bras. Il était là en mode moi je vais rester là et crever. Tranquille. Attends, il y a une fresque. Ah mais elle est à l'intérieur. En hauteur. Non. À l'intérieur en bas. Bon, ça a l'air bon. Hey, over here. Salut les potes. It's okay. I'm gonna get you out of here. Est-ce que j'ai droit à une cinématique? What the fuck? Je crois pas que c'est censé briller autant ce machin. Bon, tu les détaches un jour là? Cool. Merde, putain, je vois pas la porte. Elle est où cette fresque? Non, c'est pas là. Là. Activé. Où es-tu? C'est une cache de survie. Où es-tu, petite cache? Où tu te caches? Ah! T'es arrivé où? Je suis dans le DLC de Resident Evil 4 jusqu'à chapitre 3, le début. Tiens. Hop. Et re, du coup, l'idée. Attends, mais... Ah, mais... Mais je suis venu là, juste avant. Pourquoi je le voyais pas? Pourquoi j'avais pas de prompt, commande, quoi que ce soit? What the fuck? C'est normal les textures qui brillent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un truc. Un machin. Un bidule. A gulag identification card for one of the prisoners. Et une chose. Voilà. On est bon. Ensuite, par où? Par là, une fresque. Ok. Va falloir que je ressorte par la voie normale, je pense, pour aller l'atteindre. Je pense pas que c'est possible d'atteindre autrement. Caméra, bouge-toi, merci.
cool. Je crois que je dois aller à un autre feu de camp si je veux pouvoir aller là. Génial. C'est vraiment trop bien. Putain. Bonjour, vous vous cassez pas? Vous attendez une invitation? Bon, bah, moi je me casse. Hein. Alors. Est-ce que j'arrive à trouver une boîte de conserve là-dedans? Du coup, si je trouve une boîte de conserve, je pourrais faire un explosif pour le truc en dessous. Alors peut-être que j'ai juste besoin de vrais explosifs. Peut-être ça. Bon, du coup, il faut que j'aille au feu de camp. Comme ça, je pourrais me téléporter. Par contre, il faut que je re... Alors, je peux utiliser cette corde. Non, je peux pas l'utiliser. Donc. Cool, un point de compétence. Alors, qu'est-ce qu'on va maîtriser ensuite? Les deux flèches. Beaucoup plus longtemps. Réalisez un coup de grâce à l'arc à bout portant et augmentez vos chances de récupérer des flèches spéciales sur les ennemis. Appuyez sur F pour achever un ennemi à terre. Ok? En pistolet, expert en fusil. Bah, ça. Je sais pas. Intuition. L'instinct de survie indique les reliques, les documents, les monolithes et les coffres-forts, même à travers les murs épais. Les entrées des cryptes sont révélées sur la carte. Comme ça, tranquille. Bah ok, go. Je peux améliorer une arme. Qu'est-ce que je peux améliorer? Un fusil. Ce fusil. Je peux améliorer la vitesse de rechargement. Je veux ça plutôt. Voilà, comme ça. Une bonne cadence de tir et une bonne stabilité. Non merde, le voyage rapide du con. Comme ça, ensuite je voyage ici. Go. Oui. Espérons que ça prenne pas trop longtemps. J'espère que je vais trouver des tombeaux facultatifs dans le tas parce que j'aimerais quand même faire un peu du vrai contenu plutôt que de juste explorer la map. La recherche de petits objets de merde. C'est par là, hein, on est d'accord. Non, c'est pas par là du tout. C'est par là. Je suis plein. Je suis plein? Ah oui, je suis plein. Mais attends, c'est ça mon arc. Ah, c'est ce que je me disais, j'étais pas plein. Du tout. Quoi? Oui, c'est vrai que j'avais indiqué la fresque. Pas enfin, le truc. Alors quoi? Ah oui, mais il est ailleurs. Mais y a un truc ici. Non? Mais. Là. Lara. Là, tu vois pas le truc là? Non. Ici, la cache. Elle est où? Mais putain, mais. Pourquoi ça m'indique rien? C'est quoi ce délire avec les caches qui se cachent? Ah ah.
Ensuite, il y a une relique ici. Faut que je descende pour la récupérer. Non. Je peux passer par là. Que j'ai un gros trou que j'avais même pas remarqué la première fois. Ok. Qu'est-ce que c'est comme relique? These beads have been worn away almost to nothing. Ok. Ah, le panneau voie sans issue, c'est drôle parce qu'en fait, c'est vraiment une voie sans issue. Je ris pour rien. Allez. Les derniers trucs dans cette zone de la map, là. Et après, ce sera dans la grande map. J'aurais normalement plus besoin d'utiliser ces putains de feux pour me transporter. Sauf bien sûr pour retourner là d'où je venais. Moi, je vais te faire exploser d'ailleurs ce truc. Est-ce qu'à un moment, on me donne un truc explosif? Je suis pas censé avoir un lance-grenade pour les fusils d'assaut, moi, à un moment. Je suis en train de penser. Oui. Crève salon, crève salon, crève salon. Ah, je l'ai pas eu. Allez, à voir. Juste en face. J'y attends. Putain, mais ces trucs enterrés de merde qui sont là juste pour que... juste pour qu'on soit sûr que tu dois réexplorer la map parce qu'au moment où t'es passé dessus, y'a pas eu de prompt de commande qui te dise « Hey, y'a un truc enterré. » Mais pourquoi y'a des gens... Tous morts les mecs. Ça valait le coup ? Là. La fresque. Où est-elle ? Exactement. Je ne l'ai jamais remarqué. Même maintenant. Lénine ! Lénine, Ja. Oui, c'était très mauvais. J'arrive à remonter là. Non, je crois que je vais pas réussir à remonter. Putain, je dois faire tout le tour. Oh, je te déteste ce jeu. Si, non, 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 non. Si, si, je peux remonter, je m'en souviens. Je me souviens, il y a la paroi rocheuse. Pourquoi ça? D'accord, c'est pour ça, ça. Je vois rien. Merci. Oui! On est bon. Là, donc je ne peux pas remonter comme ça, mais il y a une paroi. Voilà, il y a ça. Putain, un vrai lapin.
Hop. Là. On peut faire un vrai voyage rapide. Non, j'ai pas besoin d'aller là. Merci. Voyage rapide. Oui. Non, non, j'ai cliqué dessus, puis j'ai cliqué en bas sur voyage rapide sans faire exprès le jeu. Qu'est-ce que tu crois? Les temps de chargement, par contre, sont limite intolérables. C'est trop long. Donc, tab. Oh putain, le nombre de trucs que j'ai loupé. Ouais, j'ai loupé 4 défis. Il y a 4 missions. 4 coffres. Alors, 2 défis, 4 missions, 4 coffres. 4 documents. Une relique. Je vais par 4 hein, quand même, en général. 4 fresques. 11 caches de survie. Et 6 monnaies. Eh ben putain, quoi, il y a un monolithe. Ah oui, mais on s'en fout. La fresque. Où es-tu? Et comment je fais pour louper des trucs pareils? Ils sont juste à côté de moi. Je te les loupe. Ou alors peut-être que celui-là, je l'avais vu. C'est bon. Alors. J'ai aucun respect pour les mecs qui restent encore dans les camps. Hein. Putain. Tab. Ensuite, on a ça là. C'est quoi tout ça là? C'est où? C'est où ça? Attends. Et un feu. Site de fouille. Putain, c'est dans la grotte. Oh, bordel. Mais. Là. Ça. C'est quoi? C'est un défi. Merci, tu me l'indiques? Ah, non, merde, c'est dans la zone. Oh putain! Bon, ça c'est fun, tiens. Parce qu'en plus, Lara, elle est plus capable de brûler des affiches de propagande à main nue. Non, maintenant il faut qu'elle crafte des trucs pour les brûler. Putain, mais sérieux quoi. Il y a des trucs qui te les ont rajoutés, mais c'est juste pour te faire chier. Bon, d'accord, j'avoue, c'est peut-être aussi pour éviter que j'ai l'impression que Lara est un putain de couteau suisse. Mais bon, ça aide pas, maintenant c'est MacGyver. Elle te fait un explosif à partir d'une canette. T'accroches pas surtout, hein. Attends, je suis allé là en bas, quoi. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Là, maintenant, il me faut un explosif pour ça. Et du coup... J'ai pas les explosifs? Ah non, c'est avec des pièces que je les obtiens. Oh putain. C'est tellement de la merde. Donc, je trouve une canette à la con que je peux transformer. Ah non, je peux prendre ça.
Parce que un baril d'essence plus une flèche, ça fait boum, tout le monde le sait. Voilà. Bon, je me suis fait un peu bobo. Mais tout va bien. C'est tout juste pour ça? Ah, puis les pièces. Cool. Je peux passer par là? Non. Te cogne pas la tête, hein, surtout. Pas d'affiche là-bas dedans, non. Ouais, non, je l'avais détruite. Par contre, il y a ce drapeau. Mais on s'en occupe une fois qu'on redescend. Comment j'ai pu louper les autres affiches? Pourtant, j'y faisais attention, non? On va très vite voir hein, si j'y faisais vraiment attention ou pas. Voyons voir. Il n'y a pas d'autres affiches ici. Ah ouais, mais j'ai peut-être pas fait gaffe au moment où il y avait le feu. Parce que je me disais, non mais les affiches elles vont brûler toutes seules. Parce qu'il y a le feu. Mais en fait, vu que c'est un défi, elles vont pas brûler. Alors, ici, il y a des affiches. Non. Tant mieux. C'est ça que je vous ai dit? Ah oui, c'est ça que je vous ai dit. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Des affiches? Non, mais il y a un truc. Alors. Là-haut, ça fait rien. Peut-être une affiche, vu la taille du truc, là. Bingo! Une affiche! Donc, il faut que je trouve une bouteille, maintenant. Là, je pourrais lui foutre le feu. Là, une bouteille. Voilà! Plus que 3. Quelle merde ces trucs! Quoi? Bizarre ça. Quand je me débarrasse de ça, puis une idée. Allez. Oh yo 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 yo.
Là, on est good. Il y a une échelle, il n'y a pas d'affiche. Mais d'accord. Non, il n'y a pas d'affiche. Tant mieux. Quoique, remarque, dans le premier Tomb Raider, au premier moment où il faut brûler des affiches, si je me souviens bien. Oui, au premier moment, il fallait utiliser des lanternes parce que tu n'avais pas encore le moyen de leur foutre le feu. Par contre, plus tard, tu m'excuses, tu avais le moyen de leur foutre le feu. Rien là en bas. Non mais qu'est-ce que tu fais? La poutre, please. Merci. Oui. À tous les coups, les affiches sont dans. Wow. Attention. Cours pas surtout. Hein. J'appuie sur Shift. Ne cours pas. J'aimerais pas que tu fasses ce que je. Ce dont la raison j'appuie. Mais. Ce pourquoi j'appuie sur un bouton. Voilà. Ouh. Je vais sortir. Hein. Donc. Là, il y a un truc de propagande bien en haut. Je peux pas monter. Accroche-toi, connasse. Alors j'ai du bois, mais je peux pas faire de feu. Quoi? J'avais pas récupéré ça? Lâche! Lâche! Alors il faut que je trouve une bouteille, il y en a pas une ici. Non? Là ici je sais qu'il y avait une bouteille. Bon il y a ça pour faire des explosifs. Mais c'est pas un explosif qu'il me faut, moi il faut des trucs pour brûler. Voilà. Est-ce que je peux monter une échelle avec une bouteille? Oui! Hop, brûle-moi ça. Parce que ça, ça va pas brûler avec tout le reste. Putain, j'adore les flammes qui volent. Qu'est-ce que c'est? A small gentleman's pillbox with an enamel hammer and sickle. Une fissure. Hmm. There's a residue inside. Strong. Cool. Ah bah parfait, merci jeu. Hop. Est-ce que je peux l'avoir celui-là? Oui. Et du coup, bah on s'arrête là pour la vidéo. N'hésitez pas à partager, mettez un like, et bye bye.